Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation des gels douche. Des laits pour le corps. Et nous allons vous présenter tout ça. Donc du coup, là, on va vous présenter les gels douche de chez Dope. Donc, moi, le mien, il est au lait végétal des Pyrénées. Et le mien, la fraise. Ils sont entre... On peut les retrouver un peu partout dans les grandes surfaces. Et ils sont entre 1 et 5 euros, ça dépend. À Carrefour par exemple, on peut les retrouver à 1 euro comme à Cdiscount, on peut les retrouver à 4,90 et 8 euros les 3. La couleur de tout, les gels douche sont tous blancs. Ils sont tous blancs. Ouais, c'est vrai. En fait, ils mettent du parfum dedans. Ils mettent du parfum mais naturel. C'est ça. Parfum après sucré, argent lavant tout doux et une demi-crème hydratante. Ouais, mais après, forcément, genre, il y aura toujours du chimique. Mais il y en a beaucoup moins parce qu'ils gardent le fait que ça fasse plus naturel qu'autre chose. Et bah, étant donné qu'en plus c'est fabriqué en France et que c'est des produits français. Oui. Ils sentent très 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 fort. Quand on prend notre douche, limite on le sent dans le couloir si vous laissez votre porte ouverte à travers. C'est vrai. Et l'odeur elle reste à peu près. Moi par exemple sur mon corps elle reste à peu près 30 minutes avant une heure. Ouais, c'est pas un shampoing qui va partir comme ça. Ouais. C'est pas un gel douche qui va partir comme ça en fait. C'est vraiment, il garde l'odeur. Même des fois, le lendemain matin, quand je me réveille, on sent encore. Bah, surtout tout ce qui est par exemple fraise, c'est des odeurs assez fortes. Après, eux, ils ont la qualité, la capacité de faire tout ce qui est fruits, bonbons, des senteurs qui n'existent pas sur les autres trucs. Parce qu'il y a une senteur Madeleine, Coca-Cola, Dragon. Ouais, c'est bien parce que ça rappelle l'enfance. Après, t'as la senteur de framboise, ça devient trop bon. Moi, j'ai amande douce, c'est une dinguerie. Enfin, pour les cheveux comme pour le corps, j'ai les deux. À chaque fois, je suis hyper fan, mais je veux tout le temps l'utiliser. On n'agite plus que ça. Du coup, maintenant, on va vous présenter le gel douche gourmand. Donc il est au prix de 3,95€ pour 100 ml. Il est vegan, pas 100% naturel, enfin il a 98,5% de naturel dans le produit. Il est enrichi à l'aloe vera, et concentré à la banane. Souvent les produits comme ça, on peut les avoir sur leur site ou même dans les box pour les tester. En fait c'est sur leur site. Ou en box, les beautiful box par exemple. C'est pas des gels douche qu'on pourrait être en grande surface. Il est parfumé à l'arôme de banane. Il nettoie la peau en procurant une agréable sensation. Et il y a du... J'ai vu qu'il y avait un autre... Ah, c'est un fort à la banane. Ouais, bah oui, il enrichit à la banane. C'est... Je l'ai encore jamais essayé, mais... J'ai encore jamais essayé, mais je pense que... De base, la banane, l'odeur, je suis pas trop fan. Moi non plus, je déteste l'odeur de la banane. C'est fort. Les bonbons bananes, tu sens que c'est trop chimique et je déteste ça. J'aime bien sortir une fois, mais après, l'odeur, en fait, elle prend au nez. Et c'est avec le mélange de la vera, ils sont super bons. Mais il y a aussi un autre ingrédient, c'est la rose hip. Donc en fait, il y a de la rose dedans aussi. Il y a des extraits de rose. Bah, en tout cas, moi, c'est un super bon mélange. Et l'aloe vera, ça hydrate de ouf. Franchement, c'est ce qui hydrate le plus la peau. 98,5% naturel et vegan. Ceci, c'est le gel douche de chez Brochet gourmand et énergisant au prix de 6,50€ pour 200 ml. Donc, il est parfumé à la framboise avec des petits extraits pour ce qui est exfoliant et qui fait le gommage en fait. C'est des grains 100% fruits. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est du 100% naturel. Bah, de toute façon, les brochets sont connus pour cette gamme là. Ils sont pour ça naturel. Oh. T'as vu comment ils sont super bons? Je l'ai déjà senti, j'aimerais tellement l'essayer, mais je l'ai pas encore essayé. Mais il est enrichi. Il est enrichi aux fruits rouges. Il y a des extraits de fraises, de framboises. Voici le gel douche de chez Brochet gourmand. Et énergisant, au prix de 6,50€ pour 200 ml. À la framboise et à la menthe poivrée. Avec des grains 100% fruits dedans. Donc en fait, c'est les grains de menthe poivrée qui font l'effet exfoliant et gommant. Il est 100% naturel. L'odeur, elle est... On sent quand même l'odeur de poivre. Ouais. Mais on reconnaît la poivre. On sent que c'est pas du parfum rajouté. C'est que on sent que c'est vraiment la pure odeur. Ouais, voilà. L'odeur. Voilà. Ensuite, nous allons passer à ce produit-là, qui est le gel nettoyant intime à l'aloe vera bio au prix de 9,60€. Pour 100 ml. Voilà, merci.
Du coup, enfin, je l'ai pas encore testé. C'est un truc de bébé. Ça me fait penser au, au mix à bébé. Ouais, à ça rappelle trop les petites odeurs quand on était enfant. Alors, si vous voulez des odeurs pour bébé, et en plus, à l'aloe vera, ça hydrate. Ça hydrate de ouf. Il n'y a pas meilleur. Vraiment, il n'y a pas meilleur. En plus, il est vegan. Donc, ça, c'est chouette. Il est hydratant et apaisant. Toutes les vertus de l'aloe vera, quoi. Du coup, si vous aimez bien les produits, si vous voyez le mix à bébé, genre on va mix à bébé jaune, ouais, il a exactement la même odeur. La même odeur. Il y a, on va dire, 2% d'odeur qui change, mais sinon, c'est exactement la même. C'est vrai. Enfin, c'est ouf. C'est aberrant. C'est aberrant. Tu joues sous son choc. Du coup, voici une gelée capillaire de la marque Boost Girl. Au prix de 5,90€ pour 100 ml. Donc, c'est vraiment un bouclier anti-déshydratation. Ouais, c'est, en fait, ça réhydrate le cuir chevelu ainsi que les fibres capillaires. Et il apporte de l'hydratation. Il apporte une hydratation de malade. De malade, ouais. Et je l'ai déjà essayé, franchement. Franchement, c'est un masque que j'ai essayé, que j'aimais beaucoup. Normalement, c'est une gelée capillaire, donc en fait, on l'applique et on la rince. Mais moi, j'utilisais en masque pour vraiment laisser poser et bien réhydrater le cuir chevelu. Et franchement. Ouais, au parfum d'ananas et enrichi à la Provence B5. Ce complexe hydratant donne du peps à votre chevelure. Donc, c'est un bouclier. Ouais, et bah, sans l'odeur, tu vas voir. Tu trouves pas que c'est une odeur de bubblegum? Et cette odeur à chaque fois. Tu vois? Les chewing-gums. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé en masque aussi pour garder l'odeur sur mes cheveux parce que je trouvais que ça te sentait super bon. Ah bah, ça sent l'ananas, je vous jure, ça sent bubblegum. Ah ouais? Ça te fait plaisir. J'adore. Franchement, tu verrais quand tu l'appliques sur tes cheveux, c'est. T'as toute l'odeur dans la salle de bain. Enfin, la salle de bain, elle est embaumée de l'odeur. Et mes cheveux, je les avais jamais vus scinder. Enfin, ils sont secs. Bah, surtout que là, elle s'est fait des colorations. Du coup, ce serait le moment de l'utiliser. Ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial. Nicolas, on va vous présenter le gel douche concentré au prix de 4,50€. Pour 100 ml. De chez Yves Rocher. Donc, c'est un gel douche à la mangue et à la coriandre. Bah, en vrai, ils sont super bons. Et bah, toujours 100% naturel. On peut faire 40 douches avec. Ça fait un mois en fait. Bah ouais. Un mois, en plus, on dirait. C'est les trucs qu'on part en vacances, oui. C'est les petits shampoings, vraiment, ouais, pour le voyage. Ça a vraiment une odeur. Enfin, ça garde l'odeur naturelle. On sent qu'il n'y a pas de concentré, de parfumé, du parfum ou du chimique. Ça reste de l'odeur naturelle et franchement, ça évite d'allumer la peau. Toi, je sais que t'es allergique au. Moi, je suis allergique au savon de chez Yves Rocher. En gros, toute ma. Moi, ça a surtout touché tout ce qui est aisselle, ma mère aussi. Donc, en fait, c'est comme si on avait des sortes de pellicules qui. De nos aisselles. Comme vraiment des pellicules, des cheveux aux aisselles. Et après, tout le reste de nos bras et torse. C'était tout parti, toute la peau était partie. Ah ouais, donc en fait ça vous faisait genre. Donc je pense qu'on a eu une sorte de réaction allergique. Ouais, et que ça vous a retiré. Je pense que c'est trop naturel alors que nous on prend que du chimie limite. Je pense que ça devait être ça. Mais pourtant, on utilisait. Parce que j'avais une amie, elle nous avait acheté des gros pots, les plus gros gel douche qu'on peut trouver chez les Ça vous faisait pas de réaction. En fait, on les utilisait tout le temps et je pense que mon corps, notre corps s'était trop habitué, il y a fait de réaction allergique parce que c'était le. Ouais, il y a moyen. À la fin du premier pot, on n'en pouvait plus. Et nous deux en même temps, et on n'a pas changé nos produits. C'est bizarre. Du coup, enfin, après, ce qui est pratique avec ces gels douches, c'est que c'est vraiment des petits formats. Donc, en fait, on peut les transporter facilement partout pour voyager. Donc, du coup, c'est plutôt bien. Ceci, c'est un lait réparateur au beurre de karité. Au prix de 10,90€. Pour 200 ml. Donc, c'est pour le corps. Donc, tout ce qui est corps, ça peut aussi être pour le visage. Peau sèche. C'est tout ce qui est pour hydrater la peau, pour les problèmes de peau sèche. Pour les peaux, par exemple, quand vous êtes. Vous le sentez quand vous avez la peau sèche, enfin, elle gratte ou des trucs comme ça. Il sent bon. Vous devez aimer. Et surtout que le beurre de karité, c'est vraiment hyper enrichissant et nourrissant. Sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. Après, si vous avez la peau grasse, enfin. Franchement, c'est pas utile parce que ça va plus vous faire des amas et votre peau, ça va pas pénétrer. Mais avec tout ce qui est hydratant, quand vous avez des peaux grasses, faut éviter. Ouais, voilà. Et plus pour les peaux extra sèches, vraiment.
Ça va vous nourrir une semaine, vous mettez ça. Ouais. Bah même après avoir bronzé ou des trucs comme ça, après le soleil, des trucs comme ça. Après la douche, c'est super bien. Ouais, franchement, ça, 2-3 mois, ouais, facilement. Dans les carités, il suit une filière certifiée biologique et équitable d'Afrique de l'Ouest. Cette formule contient de plus de 91% d'ingrédients d'origine naturelle, avec 25% de plastique en moins 4 tubes standards. Cet éco-tube contribue au respect d'environnement sans du minéral. Sans bah, c'est ça que j'aime bien chez les brochets, parce qu'en fait ils sont à fond sur l'écologie. Minéral. Bah, c'est pour ça que c'est tout vert. Bah, du coup, franchement, leur gamme de produits elle est vraiment pas chère pour de la bonne qualité. C'est ça qui est chouette. Donc là, je vais vous présenter le lait réparateur encore une fois au beurre de karité. Au prix de 3,90€ pour 390ml. Du coup, ben, c'est la même gamme, mais dans des formats différents. Et enfin, c'est toujours pour les peaux extra sèches. Du coup, c'est toujours sans colorant, sans parabène et sans huile minérale. Et toujours à appliquer après la douche ou le matin pour hydrater la peau. Le matin, si vous avez le temps, quand ça. Vous voyez, par exemple, pour ceux qui viennent de faire du sport, ils se lavent et puis en mettent. Du coup, là, on va vous présenter la collection, enfin, quelques produits de la collection Yves Rocher Hammam. Voilà. Du coup, mon produit, c'est l'huile de douche Hammam à 6,50€ pour 100 ml. C'est une huile. C'est nul pour le hammam, enfin c'est ce qui hydrate et... Mais en vrai, ils font énormément de produits à l'argan parce qu'en fait c'est vraiment hydratant et ça a énormément de vertus. Et franchement, leurs gammes elles sont super. Ça par exemple, des fois, des trucs comme ça, j'en prends souvent quand je vais au hammam justement. Ça pendant le hammam, on l'applique sur notre corps et on va par exemple dans les saunas, des trucs comme ça. Et ça, c'est souvent après. Et ça, c'est le lait pour le corps au prix de 6,50€. Quand on sort du hammam, oui, souvent, c'est bien d'hydrater le corps parce que notre corps, il a énormément. Il a perdu énormément d'eau et tout. Donc, du coup, c'est plutôt pratique. Du coup, concernant cette gamme, ils ont proposé un coffret oriental pour l'occasion. Parce que c'est plutôt cool comme ça, au moins si on a déjà testé les produits séparément ou pour c'est bien d'avoir les produits en coffret et moins cher. Et en plus pour offrir c'est plutôt sympa. En plus le coffret était à 26,90€ et il est passé à 15,95€. Donc franchement c'est une super bonne affaire. Dans le coffret il y a un gel douche 200ml et une crème pour les mains. En plus de ces deux produits là. Du coup pour clôturer cette vidéo on va vous présenter les produits qu'on peut avoir gratuitement grâce à notre fidélisation chez Yves Rocher. Voilà, où on aura des petits papiers comme ceci. Tous les mois, qui sont distribués dans la boîte. Tous les mois. Là, par exemple, c'était pour une bonne fête, vous voyez. Quand c'est notre fête. Et là, c'était. Ça, c'est tous les mois en fait, on obtient des trucs. Ça sent bon le printemps. Là, du coup, en fait, on a des réductions pour des cadeaux ou des soins. Et merci pour vos 18 ans d'années de fidélité. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. En plus des fois vous pouvez gagner on peut gagner des petits produits à force là avec les trois trucs à gratter. Comme par exemple pour les calendriers de l'Avent, je sais qu'on peut en gagner un, il y en a 100 à gagner. Et même avec les petits trucs à gratter là, les 4 petites cases à gratter, on peut vraiment avoir des réductions énormes alors que déjà que les produits coûtent pas cher, franchement c'est chouette. Et grâce à ça, en plus, on voit souvent les nouvelles gammes des produits qu'ils proposent, qui sont mis en avant au mois, en fait, ce mois-ci. Comme là, par exemple. Voilà. Et du coup... Donc le but qu'il faudra faire, c'est gratter, vous verrez, moins 50%. Hein. Là, ici, vous avez souvent les pétales que vous avez offertes. Bah, surtout pour ici. Là, pour cette case-là, c'est les pétales, voilà. Mmh. Et les pétales, c'est quand vous avez une accumulation de produits que vous avez acheté là-bas. Et par exemple chez Kobu, je crois que c'est 3000 ou 6000, on a un massage gratuit. Ah bon? Oui. Ma mère en a déjà eu. Oh, c'est bien. Ma soeur aussi. Au bout de 100 pétales. Non, 2000 pétales. 2000 pétales. Soit choisir pour planter un arbre, soit avoir des réductions sur la commande, sur l'achat, ou soit avoir un produit offert. Donc ça c'est super. Ou moins 50%.
Et du coup, bah, grâce à ça, en fait, grâce aux petites étiquettes. On peut aussi faire par papier, par mail. Ouais. Du coup, on peut avoir en caisse souvent des produits pour tester ou des full size carrément. Donc voilà. Comme là, c'est des échantillons de gel douche. Et après, on a souvent des laits hydratants, des gommages, des scrubs. Enfin, ils proposent énormément de choses. Enfin, c'est plutôt cool parce que ça nous permet de tester en petit format ou même des fois en full size carrément pour en racheter, parce que franchement, la plupart des produits qu'ils proposent, de base, quand on est en magasin, c'est souvent des petits patchs comme ça, on peut pas vraiment utiliser, on n'a pas vraiment d'avis. Comme par exemple des trucs échantillons tout seul à l'unité. Ouais. Ça, c'est pas. C'est bien, utile, mais. C'est l'intention qui compte. Bah, en fait, c'est bien, mais on peut pas avoir un avis à long terme, en fait. C'est qui est. Alors que là, avec ça, on peut quand même avoir un avis à long terme, parce que les gommages. Bah ouais, les gommages, comme ça, si ils arrivent au bout d'un mois, on va pas faire des gommages tous les jours, quoi. Non, c'est C'est super mauvais. Du coup, voilà. Après, il y a des hydratants, ouais, des crèmes hydratantes. Après, je sais que pendant un moment, ils faisaient aussi je les ai encore dans mes armoires, des parfums en échantillon. Parce qu'ils ont une petite lingette, là. Après, ouais, c'est pratique parce que, par exemple, on peut en mettre sur la peau, par exemple, des parfums. Ouais, du coup, sur les habits, c'est compliqué. Mais si vous voulez sentir un parfum, vous pouvez le faire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!